Bienvenue dans Légende de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Raymond Bussière, surnommé Bubu, en raison de son air sympathique. Tiens, bonjour Raymond. Alors, boulot, menuise. Ah oui, tu vois. Je partais par là, j'ai voulu voir ta tôle. Très bien fait. Et tu grattes toute la journée dans cette boutique? Oui. Eh ben mon bonhomme, bon ben. Marcel Raymond Bussière voit le jour le 3 novembre 1907 à Ivry-la-Bataille dans l'Eure. Il est le benjamin d'une fratrie originaire de Corrèze, ses parents étant Pierre Bussière et Marie Châtaignier. Son père, instituteur de profession, s'est également lancé en politique en se portant candidat à la députation de la Corrèze sous l'étiquette socialiste. Raymond fréquente le collège Rotrou de Dreux de 1920 à 1925 où il noue une amitié avec Maurice Buffet, futur peintre. Durant cette période, il réside chez les parents de son camarade Maurice Bernard, avec qui il partage les bancs du collège. Il se lie également d'amitié avec deux autres jeunes, Roger Lemonne et Louis Barbeau, qui deviendront des compagnons de longue date. Cette amitié perdurera notamment lors du tournage du film La Carapate, à Dreux, en avril 1978. L'année à mort s'est échappé, c'est lui. Salut petit gars. Enfin, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu crois pas que je vais laisser attaquer mon fils comme ça, non? Quoi c'est? Dans la merde, ils t'ont traîné. Quoi c'est? Deux connards, avec des enfants cons, un passé con, un avenir con. Il me plaît bien, ton vieux. Toi, t'as pas dû être poli non plus. Quand on a parlé de toi à la télé, ils t'ont insulté. Alors je leur ai dit, on insulte pas un homme qui a rendez-vous demain avec le général de Gaulle. Alors tu sais pas ce qu'ils ont fait? Ils ont insulté De Gaulle. Mais t'as jamais été pour De Gaulle? Ils sont jetés sur moi, ils ont soulevé ma chaise, puis ils m'ont déposé là. Et sans rien me donner à bouffer. Mangi. M'en fous de toute façon, c'est de la merde. À Dreux, Raymond se lance dans l'organisation de petites pièces de théâtre au Cercle Laïque, parmi lesquelles une parodie du célèbre Cid, où il endosse le rôle de Rodrigue. Après son bac, il entame des études de médecine qu'il doit abandonner, compte tenu de la santé précaire de sa mère. Il passe et réussit le concours de dessinateur typographe, mais ne parvient pas à s'épanouir dans cette activité. En collaboration avec quelques compagnons, il fonde une troupe de théâtre engagée politiquement à gauche, baptisée le groupe Octobre, en référence à la révolution soviétique. Leur théâtre avait une vocation de propagande révolutionnaire, se mobilisant notamment lors de mouvements de grève pour diffuser leur répertoire politique. Sur les conseils de Paul Vaillant-Couturier concernant cette démarche théâtrale, il fait la rencontre de Jacques Prévert, afin de solliciter des textes à interpréter. Une fois devenu ami, Prévert lui propose de participer en tant que figurant à un film dont il a rédigé le scénario, Ciboulette, prévu pour une sortie en 1933. En 1936, lors d'un séjour en Espagne, il fait la connaissance des militants communistes engagés au sein des brigades internationales. À son retour, désillusionné par le stalinisme, il décide de démissionner du Parti communiste, affirmant souffrir de ses pratiques. Cette expérience le marque profondément et le laisse écœuré à tout jamais par le comportement des communistes. Par la suite, il devient un militant syndicaliste, actif au sein du syndicat des comédiens. Quand il est sur le trône, là-haut, quand il fut sur le trône, il se mit à chanter. Il se mit à chanter. Alors, j'emmerde les gendarmes, là-haut, là-haut. J'emmerde les gendarmes, et la marée chaussée, et la marée chaussée. C'est pour moi que vous dites ça? Il me semble pour qui ce serait. J'espère qu'il n'y a pas d'autres gueules de vache dans les environs. Vous avez de la veine que nous ne soyons pas de service. Qu'est-ce que vous fabriquez là? J'attends l'autobus. L'autobus? Oui, le cul. Oh! Ça m'étonnerait qu'il aille vous chercher là-haut. À votre place, je descendrai l'attendre sur le trottoir. Quand j'aurai trouvé ce que je cherche. Qu'est-ce que vous cherchez? Ma boîte d'allumettes. En haut de mètre de gaz? Par s'il est fait plus clair, tiens. Vous me prenez pour un... Ah oui alors, et pour un vrai, un grand, un gros. Oh. D'abord, veux-tu que je te dise? T'es trop laid, tu me dégoûtes. Tu comprends? T'es trop moche. Oh, ce qu'il est vilain, madame. Tiens, c'est pas pour te faire un compliment, mais je plains ta femme. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que pour se taper un guignol dans ton genre, ben faut que la petite ait une drôle de santé. Oh, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu!
Je t'en prends la garantie, moi, tiens. Du calme, mais quoi tu... Non, mais qu'est-ce que tu lui prends? En v'là dégoûtant. Bah, bon, tu ça... fais mal. Bah, mon vieux, t'es assez pour le coup si j'étais de la femme. Bubu jongle entre de petits rôles au cinéma tout en maintenant un emploi de fonctionnaire à la mairie de Paris. En 1936, il est presque sélectionné pour incarner Jacques, l'un des quatre membres légendaires du film La Belle Équipe de Julien Duvivier, aux côtés de Jean Gabin, Charles Vanel et Emos. Finalement, il est remplacé par un autre acteur de son âge, Charles Dora. Profondément impliqué dans les mouvements du Front Populaire de 1936, Bubu regrette toujours de ne pas avoir fait partie de ce film qu'il admire tant. En 1941, il décroche un rôle plus substantiel dans le film Nous les Gosses, dirigé par Louis Daquin. Engagé chez Pathé pour une période de 3 ans, il quitte son poste de fonctionnaire. Surnommé Bubu dès ses débuts, il se fait remarquer dans plusieurs films marquants, notamment L'Assassin habite au 21, d'Henri-Georges Clouzot en 1941, Quai des Orfèvres en 1947, ainsi que Casque d'or en 1951, et Les Belles de nuit en 1952, tous deux de Jacques Becker. Il travaille également avec René Clair sur Porte des Lilas en 1956. Malgré ses apparitions dans quelques films en Italie, il ne rencontre pas un grand succès là-bas. Sa verve, son accent parisien typique, le classe parmi les acteurs les plus populaires des années 50 et 60, souvent dans des seconds rôles distingués. À la fin de sa carrière, il incarne un vieil homme dans Les Sous-doués, rêvant d'obtenir son baccalauréat, et joue le chauffeur de Louis de Funès dans L'aile ou la cuisse, retrouvant ainsi une certaine popularité. En septembre 1981, peu de temps avant son décès, il déclare « On commence à vieillir, mais la tête reste alerte. On n'est pas des vieux aigris. Je dois tout au hasard. Quand j'étais jeune, fallait travailler dur. J'ai grandi parmi les ouvriers. Je leur dois beaucoup car c'est en côtoyant ces Parisiens qui réinventaient la langue française que j'ai façonné mon personnage. C'est un mimétisme. » Suite à une crise cardiaque, Raymond Bussière tombe dans un coma qui dure 3 semaines. Il s'éteint à l'hôpital Bichat le 29 avril 1982.